l'aise, puis on aimerait ça que tu chantes encore. Veux-tu me suivre? Ben oui, je veux. Vous voulez, mesdames et messieurs? On est rendu à un superbe moment de télévision. Vous le connaissez, lui, hein? Moi, je le connais très bien. Venez vous avancer un petit peu, venez vous avancer un petit peu. Mario Pelcha, puis ça nous fait tellement plaisir de pouvoir vous offrir le duo que Céline et Mario ont enregistré sur l'album de Mario. C'est une première de télévision, mesdames et messieurs. Alors, avec plus haut que moi, Mario Pelcha et Céline Dion, que voici. Thank you.
Céline et de Mario, évidemment. Mario, on a parlé brièvement de ça la dernière fois. Oui. Quand tu étais ici, tu as ton show au Spectrum de Moret, ce soir et aussi demain. Dans une heure, tout ça t'énerve? 1h10. Ben, bien sûr, c'est oui, une histoire de première. C'est cependant, c'est moins pire que la première fois. La première fois que j'ai vécu ça en 90, oui. C'était l'enfer. Céline était là aussi ce soir. Oui. C'était l'enfer, j'étais là. Non, mais c'est vrai ce que, c'est vrai ce que tu dis. La presse pour la première fois de ta vie dans un spectacle, c'est pas évident. Non, c'est vrai. Mais quand c'est une première fois, la nervosité est là. Quand c'est une deuxième première, la nervosité est toujours là. Mais je pense que c'est qu'on contrôle notre nervosité. Absolument. Ça ne veut pas dire qu'elle disparaît, mais on arrive à les contrôler. On se concentre sur le show. Puis j'aimerais savoir brièvement comment vous avez fait ce duo ensemble. Est-ce que c'était l'idée de qui de faire cette chanson? Évidemment, Mario, je sais que toi, tu voulais vraiment chanter avec lui. On a chanté ensemble, Céline et moi, justement, le soir de cette première-là, en 90, au Théâtre Saint-Denis, on avait fait Endless Love. Endless love, endless love, my love, there's only you in my life. Oui, j'étais assez contente, c'est tellement une belle chanson. Oui, c'est une belle chanson. De me retrouver sur la scène avec toi, ça a été une belle expérience. Pour moi, c'était magique aussi. C'était à deux semaines, preuve de générosité de leur part, c'était à deux semaines de la sortie de Unison, leur premier album en anglais. En tout cas, c'est ça, j'avais apprécié beaucoup. Je voulais le faire sur disque, parce qu'il n'y avait que les gens qui étaient là ce soir-là, qui ont pu écouter. Parce que je considère que Céline et moi, on a à peu près les mêmes influences musicales. Oui. On écoute le même genre de rhythm musique. And blues, oui, du gospel, de la musique. Oui, j'adore. J'imagine que Céline, toi, tu écoutes ça depuis plus longtemps que moi. Moi, j'ai été influencé par la chanson française longtemps. Oui. Et j'ai découvert ça vers l'âge de 17-18 ans. Ça cliquait tout de suite en studio, par contre, parce que chanter live sur scène, c'est pas la même chose que chanter en studio. Est-ce que vous avez aimé l'expérience? Ben, moi, ce qui me concerne, en studio, c'est comme la scène, ou presque. C'est dommage que je ne puisse pas enregistrer mon disque en studio avec un public. Oui. Là, j'aimerais ça. Ça ne s'est jamais fait encore. Ça serait quelque chose. On met des vitres ici, là, parce que ça prend quand même. Oui, c'est sûr. Il faut garder quand même le son dans un endroit. Ben, regarde, on est ravis que vous avez fait cette chanson pour nous. C'est une belle première de télévision. Je sais que Mario, toi, tu vas nous quitter dans quelques petites minutes pour faire ton show, puis on ira te voir après. Je te dis merde. J'espère. Oh, ne t'inquiète pas. Alors, reste. Mais regarde, tu sais quoi, tu vas te soulager pendant quelques instants. C'est pour moi l'amoureux de Céline Dion. Oh, bon! On peut le dire maintenant. Il est drôle! Parlons de drôle. Laisse les mots, la parole de Dieu. On va aller rejoindre quelqu'un qui sait vraiment faire rire, mesdames et messieurs. Daniel Lemire. Céline Dion.